week-end avait lieu la première journée de pré-nationale féminine de basket. Toutes les équipes étaient réunies à l'Oudéac. Parmi les affiches, le premier derby de la saison pour le CEP Lorient Basketball face à l'Étoile Sportive de Saint-Avé. Chaque équipe avec son lot de changements, un nouvel entraîneur et quelques mouvements pour Lorient. Et Amélie Caillé sur le banc et trois nouvelles joueuses pour Saint-Avé. Résultat, un score sans appel, 72-54 pour Lorient, alors qu'à la mi-temps, la marque était de 30-34 seulement pour le CEP. On est trop fragile sur certaines choses, on fait voilà, sur les situations de faute, on ne se corrige pas assez vite. C'est ce que je leur ai dit dans le vestiaire. À un moment donné, quand on fait une erreur, on a le droit de faire une erreur. Derrière, il faut corriger aussi rapidement et on leur donne beaucoup trop de points sur des lancers francs. Ce qui fait qu'on est, au lieu de creuser l'écart, en fait, on se met nous en danger et puis derrière, on court après le score alors qu'en fait, on était, je pense, en première mi-temps, largement capable de rivaliser, voire même être devant et on n'a pas pu faire ça. Je pense qu'on n'était pas prêtes. Enfin, voilà, il va nous falloir encore, je pense, 2-3 semaines avant d'être à peu près bien rodées. C'est en seconde période que les Lorientaises ont construit leur victoire grâce à une meilleure adresse au shoot et de nombreuses fautes commises par l'Étoile Sportive de Saint-Avé. Bah, on est très satisfait de la victoire parce qu'on a eu une préparation compliquée avec beaucoup de blessés. Donc il y a des filles qui revenaient simplement aujourd'hui. Il fallait gagner, donc on est surtout satisfait de la victoire. On n'a jamais rien lâché, la première mi-temps a été compliquée. On était à 4 points simplement à la mi-temps, donc on est resté motivés. Et puis on s'est reposé aussi sur des joueuses majeures qui ont su faire la différence en deuxième mi-temps. Prochaine journée de prénat, Saint-Avé se déplace à Guy Pava, tombeuse de la Zal Lorient lors de la première journée. Les filles du CEP, elles, recevront l'ASPTT Rennes.